Bon matin à toutes et tous, on se retrouve pour le message de ce jeudi 30 mars 2023. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Mets de la lumière dans ta vie, sois optimiste, lève-toi le matin et remercie pour la belle journée que tu vas passer. Alors aujourd'hui, eh bien, j'ai pigé nouvel élan. Je suis ouvert à tout recommencement, ma vie ainsi que celle des êtres qui m'entourent, retrouvera ainsi un nouvel élan. Nouvel élan, eh bien, lorsque on clôture un cycle, lorsque on clôture une situation, eh bien, c'est un nouvel élan, n'est-ce pas? La fleur du nouvel élan, elle disperse toutes les angoisses que tu peux éprouver face au nouveau et à l'inconnu. Elle érige aussi un champ de sécurité tout autour de toi, dans lequel, eh bien, tu te sens suffisamment bien pour devenir capable de surmonter tes peurs, de t'ouvrir, eh bien, pour le changement et le renouveau. Cette carte, eh bien, elle vient vous dire, tout est réglé. Tu as déjà surmonté tellement de choses, énormément de choses. Le temps de nouvel élan est maintenant arrivé. Et si tu le désires, si tu le veux réellement, ta vie peut désormais se réorganiser dans tous les domaines et dans toutes les directions. Voilà que tu as fermé la porte d'une situation très douloureuse. C'est comme si tu avais fait un deuil. Il a fallu du temps, mais là maintenant tu y es arrivé. Et la fleur du nouvel élan balaye toutes les forces qui te font hésiter, qui pourrait te retenir ou t'entraver. Toutes les barrières sont ouvertes. La voie est libre. La voie est libre pour toi. Alors, comme tout être humain, n'est-ce pas? Par le passé, tu as expérimenté beaucoup de désirs. Tu as demandé leur concrétisation. Tes vœux ont été exaucés. Tu te trouves dans une période de recommencement et cette belle fleur de vie te fait parvenir les énergies nécessaires à un nouvel élan. Ces moments de recommencement sont excitants pour toi et ils rendent la vie bouillonnante. Eh bien, cette carte, elle t'encourage à maintenir ton équilibre intérieur tandis que ta vie prend actuellement une nouvelle direction. Elle te demande de savourer ce recommencement et réjouis-toi de toutes ces nouvelles possibilités, comme par magie. Un certain nombre de portes s'ouvrent à ton passage. Eh bien, traverse-les. Sois plein de joie et de curiosité. Ta vie est au seuil d'un recommencement. Aie confiance en toi. Wow, 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 wow. Ben écoutez, il n'y a pas... Voilà, la synchronicité cette semaine, je trouve qu'elle est magnifique. Si mes souvenirs sont bons, lundi c'était la compassion. Mardi c'était tout est possible. Hier c'était accepté et aujourd'hui c'est un nouvel élan. Mais que demander de plus, quoi? Voilà, c'est magnifique, comme je dirais à ma petite fille. C'est, voilà,
Si maintenant, évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde, ça parlera à certains d'entre vous. Soyez bien à l'aise pour accueillir si ça vous parle. Ah, je suis, voilà, je suis vraiment heureuse de ce tirage pour cette semaine. Les jours se suivent, mais ne se ressemblent pas. Et là, je dois dire que cette semaine, ce sont vraiment de belles, belles, belles cartes. Alors, on termine avec le petit oracle des couleurs. Vert forêt, mes capacités de régénération sont grandes. Je peux compter sur elles dans tous mes processus de guérison, physique ou psychologique. Eh bien, sur ce message, je vous souhaite une excellente journée et puis on se retrouve demain pour un nouveau message. D'ici là, prenez soin de vous dans la douceur, prenez soin des personnes qui vous entourent, de ceux que vous aimez. Et puis moi, je vous embrasse. À demain.